Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour la survie du week-end. Après une petite pause, j'avoue. Ah, bien sûr, évidemment, on a du beau temps pour fêter ça. Donc, notre inventaire est techniquement prêt. 20, 10. 20, c'est beaucoup de tissu ou pas? Non, c'est pas beaucoup, parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de tissu. On a un couteau, ça c'est prêt, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, on est bon. Nourriture, comme d'habitude, on a nos glands, l'eau. On va prendre bien sûr un peu plus de nourriture et tout ça. On va virer ce steak là. On va prendre les gros de 1 kg qui ont plus de calories. On va garder ça. Maintenant, j'ai pris l'habitude de garder tout le temps des tartes au sino. Ça nous permet d'enlever la fatigue en fait si on a besoin. En gros, ça marche comme un café. Ça marche comme un café. Du coup, c'est intéressant. C'est très intéressant. Surtout que ça, c'est quand même beaucoup plus facile à faire, hein, bien sûr, que les cafés. Parce que les cafés, il faut tout simplement les trouver. Mais ça, il y a un peu plus d'options. On est bon. On est bon, on est bon. Le bois, on le trouvera sur le chemin. Ouais, on est bon. Donc, on a un arc, 95%. On a une quinzaine de flèches. Donc, vous savez ce qu'on va faire cette fois? On va finir le signal du vide. Enfin, le finir peut-être, hein, potentiellement. Et donc, utiliser le réseau de transmetteurs réparés pour chercher d'autres bunkers dans l'aérodrome abandonné. Donc on va faire ça va nous prendre peut-être un ou deux épisodes, voire peut-être un peu plus, ça dépend en fait du temps et comment on avance. On va aller regarder un peu le temps. Ça dépend en fait du temps, tout simplement ça dépend beaucoup beaucoup du temps même, j'ai envie de dire. On a plusieurs zones à franchir, c'est pas la première fois qu'on va à l'aérodrome, on est déjà allé à l'aérodrome. On est déjà allé à l'aérodrome 2 fois. Vous savez ce qui est triste? Ce qui est triste, c'est que avant ça, je me suis préparé. Donc j'ai dernièrement, si vous regardez la playlist, la dernière chose qui s'est passée, c'était un stream en fait où j'ai failli mourir. En plus, j'ai failli mourir avec notre survie du week-end. Mais je suis resté calme et tout ça, on s'en est sorti. Et on est revenu ici parce que nous, on était à Milton, si je ne m'abuse. On était à Milton. Donc je suis revenu ici. Et après ça, attendez, je calcule. Hop. Et après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis préparé. Donc manger, bien dormir, récupérer ma vie et tout ça, parce que oui, je suis arrivé mal en point ici. Et du coup, j'ai passé quelques temps. Et il y a eu une tempête énorme qui a duré genre la moitié d'une journée plus. Plus la nuit et tout ça, donc je me suis dit tiens bon bah ça va, c'est bon, on va pouvoir partir après. Et ben voilà, ça c'est ma réponse. Non, on va pas pouvoir partir, pas encore. Donc ouais, un peu chiant. Ok, je crois qu'on est bon maintenant. C'est embêtant parce qu'on est un peu fatigué. On va déposer 15 flèches, c'est bien. 15, c'est un bon chiffre. Je vais voir un peu l'eau. Il y a 1,79. 4, attends, 3, 4, 5. Je voudrais essayer d'être en dessous des 45 kg, mais ça m'étonnerait. Je voudrais bien dormir, honnêtement. Genre 1 heure pour qu'on soit vraiment en pleine forme, mais bon. On va prendre ça. On va re-rentrer vite fait pour éviter d'avoir froid. Je pense que là, le temps est bon, là, le temps est sympa. Alors, on va finir ça, voire le jeter si on l'a pas fini. Ok, très bien. C'est parti, let's go. On a le sac de couchage de d'ours. Je dis pas de conneries. Oui, on est bon. Notre équipement, nos vêtements, tout ça, très très bonne qualité, ça va. On a 2 kilos de viande, donc c'est bien, on peut tenir. On a des massettes, on a un arc, on a des flèches, on a quoi d'autre? On a tout ce qu'il nous faut, on a les outils. On a tout ce qu'il nous faut pour tenir un bon moment. Ouais, on a absolument tout ce qu'il nous faut pour tenir un bon moment.
Donc oui, j'ai fait un peu une petite pause en fait de The Long Dark, j'avoue. J'ai pas eu d'épisode pendant... Oh, il y a un cerf juste là. Maintenant, il y a un cerf juste là. Sérieux? Aïe, aïe, aïe. J'avoue que pendant 1 à 2 semaines, il n'y a pas eu d'épisode en fait en avance pour les membres. Ça m'a un peu embêté. Mais j'avoue que si vous avez suivi en fait le déroulement, hein, bien sûr, de The Long Dark, vous avez vu un peu les problèmes et tout ça. Et du coup, une pause était vraiment le bienvenu. Je vais être franc, une pause était vraiment le bienvenu. Parce que j'ai pas vraiment envie de quitter le jeu. C'est un loup ça ou c'est un caillou là devant nous, comme ça là. Ça bouge ou pas? Je crois que c'est un caillou. J'ai pas vraiment envie de quitter le jeu. Il y a énormément de gens qui quittent le jeu depuis les problèmes. Donc ouais. Une pause était le bienvenu. Donc là, on va repartir doucement. Surtout que on connaît bien le chemin. Donc ça, c'est cool. On connaît par où il faut passer. Donc on va faire Muskegmorn, ligne droite. Puis après, on va aller dans la zone d'après. La zone d'après devrait pas prendre très longtemps. On va peut-être faire une pause dans la zone d'après. Je sais plus le nom, excusez-moi. Des fois, j'oublie. Mais vous savez, là, on a fait déjà plusieurs pauses à cet endroit-là. Donc, on va potentiellement faire ça. Et après, on va continuer, bien sûr, jusqu'à l'aérodrome, encore une fois, hein, bien sûr. Alors, j'avoue que je vais essayer de pas trop râler, hein, parce que l'aéroport, c'est pas vraiment l'endroit qui me plaît le plus. Ah oui, aussi, je sais qu'à l'aérodrome, on m'a dit... je sais plus. Je crois que c'est sur le chemin. Genre, moi, je prends un long coursi, comme j'appelle ça. Je prends un chemin qui... Pourquoi c'est blanc comme ça? Ok. J'ai jamais vu ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bizarre. C'est bizarre, non? Ce temps comme ça, genre de brouillard bizarre, brouillard qui est pas... C'est chelou. Bon, c'est pas grave. J'ai jamais eu ce temps là. Ça me dit rien du tout. Je sais pas, il neige un peu. Il y a un peu de brouillard. C'est un peu sombre, mais c'est pas vraiment sombre. Et puis hop, c'est parti. Maintenant, ça y est, ça s'est levé. Tout était blanc. Ok, c'est bizarre, étrange. Donc oui, apparemment, je prends un mauvais chemin. Ou c'est plus long, un truc comme ça, pour venir ou pour avancer, je sais plus exactement. Donc bon. Et avec ma mémoire, j'ai oublié déjà ce qu'on m'a dit, donc... Donc ouais, du coup, bah... Du coup, on va sûrement prendre le même chemin que je prends d'habitude, et du coup, on va mettre plus de temps que prévu. Comme d'hab. Mais bon, au moins je me perds pas. Voilà, c'est tranquille. Sinon, pour vous parler un peu de The Long Dark, là, on attend... Oh, il y a un ours là-bas, juste là. On attend donc la prochaine mise à jour. Ça va faire... je pense que ça va faire... plusieurs mois que la dernière mise à jour est sortie, donc en théorie... En théorie, ça devrait pas vraiment tarder, mais vu qu'il y a eu énormément de problèmes pour la dernière mise à jour, du coup, ils ont énormément travaillé sur les fixes, et il y a encore quand même pas mal de bugs. Genre, par exemple, le dernier bug qu'on m'a dit, c'est... J'ai pas vérifié ça moi-même, mais... ça serait... Quand vous faites les torches, normalement, c'est... C'est 10 centilitres, je crois, de carburant avec
3 bouts de bois ou un truc comme ça, ou un bout de bois, j'en sais rien, enfin je sais plus exactement. Et apparemment au lieu de prendre 10, ça prend 20, un truc comme ça. Donc ouais, faites attention à ça. Ça, ça se passe bien là. Beau temps, c'est pas vraiment froid. On peut marcher pendant des heures. Ça, c'est le temps où t'as pas vraiment envie de t'arrêter en fait. T'as envie de continuer. Si jamais on arrive au bout et qu'on continue et qu'il y a encore un temps comme ça, honnêtement, on continue. On se repose pas. Parce qu'après, de toute façon, on va être dans des tunnels et tout. Donc, c'est assez simple de se mettre à l'abri du froid. Donc à la limite, pourquoi pas en profiter en fait. Bon, ça valait le coup d'avoir deux tempêtes d'affilée pour avoir un temps comme ça. J'espère que ça va rester. Je pense que ça va nous prendre deux épisodes au moins pour arriver à l'aérodrome. Je pense. Hein. Où là-bas? Je sais pas si on l'a déjà fait en un seul épisode. On verra. J'ai hâte de voir la récompense. Parce que techniquement... En plus, nous, ça prend du temps, hein, parce que encore un truc, tout ça, hein, c'est pas vraiment la chose simple à faire, hein, du coup, sur la gauche. Donc, en fait, cette petite histoire-là, de rafistoler les antennes et tout, ça nous prend énormément de temps pour nous. Et donc, on devrait avoir une récompense pour notre mode. Donc, je suis assez impatient de voir ce que c'est. Il est trop proche. Je vais un peu bifurquer pour éviter qu'il me fait mais trop tôt. Normalement on est bon jusqu'à la... Ah voilà. Oh, il fait chaud. Il est toujours derrière. Ça va. Ça va pas. Non, il est toujours là, il est toujours là. Et après à l'aérodrome. Alors l'aérodrome ça risque d'être moins fun parce que on va rester là-bas longtemps. Et il nous faut une aurore boréale. Alors j'ai pas pris ma lampe sur moi. Je voulais prendre la lampe honnêtement, mais un kilo ça fait vraiment trop et c'est chiant. Mais j'avais vraiment envie de m'amuser en fait avec la lampe. Finalement. Parfait. Ouais, j'avais un peu envie de m'amuser, vous savez, parce qu'on a récupéré une lampe. On l'avait récupérée en stream. C'était une boîte à la voie ferrée détruite. C'était une boîte donc qui était à Milton. Une boîte qu'on avait vue au tout début de notre aventure et on l'a finalement ouverte. Et c'était du coup une lampe torche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se repose ou pas?
faudra un peu regarder là aussi. Mais ça, on fera quand on reviendra. C'est une torche à vous. On peut descendre là directement au lieu d'aller là-bas. Ou s'il faut, c'est un peu mieux en fait comme chemin. C'est pas du tout mieux en fait. Même un peu plus dangereux. Et entre vous et moi, évidemment, je l'avais déjà dit, hein, un jeu qui m'intéresse beaucoup va bientôt arriver. Starfield. Donc, je vais sûrement être dessus pas mal. Bien sûr, je prendrai toujours un peu de temps pour faire du The Long Dark, hein, mais voilà, c'est pour ça que je voudrais un peu avancer dans The Long Dark. Et on a aussi une chose, parce que dans notre aventure là, donc on va mettre fin plus ou moins en théorie à notre petite histoire là, mais on a aussi deux antennes encore. On a encore deux antennes à réparer. Donc on en a une qui est où il y a le Riken là. Où il y a le Riken. Donc après l'autoroute côtière. Je l'ai vu l'antenne, je sais où elle est. Je l'avais montré, je crois, la dernière fois. Merde, attendez, je passe par là. C'est pas du tout là. T'as encore heureux que le temps est bon, hein, parce que là, je parle, mais je fais n'importe quoi. Donc il y a ça. Et après, on a une autre antenne, donc à Blackrock. Je crois bien. Donc ouais, c'est cool. Je vais être franc, je me rappelle plus vraiment ce qu'il faut récupérer pour celle où il y a le Riken. Je crois qu'il faut amener la batterie. Je sais plus si j'ai une batterie en fait au... Mince. Une batterie à l'autoroute côtière, je sais plus. Enfin bref, j'ai dû le noter quelque part pour m'en rappeler. On verra ça. Mais ouais, donc on a encore deux choses à faire. Vous voyez qu'on a pas mal de choses à faire encore. Deux antennes, ça veut dire qu'on doit aussi trouver bien sûr les bunkers en plus. Donc ouais, il y a des choses. Et bien sûr, il y a encore plein de zones qu'on n'a pas visitées. Ça, c'était bien sûr volontairement. Hein. Le fait d'avoir ignoré certaines zones, c'était volontaire. C'était complètement volontaire. C'était pour éviter de tout chercher en fait trop vite. Parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, il fallait en fait revenir sur nos pas. Et on l'a fait déjà plusieurs fois, c'est déjà agaçant. Hein. Donc si on peut éviter de le faire 150 fois, ce serait bien. C'est par là. Et du coup, je passe par en dessous. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, on va arriver à l'embranchement. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête pour se reposer? Si d'abord... J'entends des loups hein, dans cette direction là. Donc je me dis que si jamais on doit descendre le long du chemin, ça va être un peu la galère. On va sûrement tomber sur des loups.
Donc à la limite, je suis plus dans... dans l'idée de continuer. Faut qu'on... Par contre, faudra qu'on fasse une pause pour manger, boire et tout ça. Ouais, on entend des loups. Ouais, on va, ouais, on va continuer. Il y en a juste un là en plus. Bon ben voilà, c'est bien. C'est pas vraiment fatigué en plus. Nickel. Si on n'a pas sprinté une seule fois, ça va. Tranquille. Donc ouais. Après ce qu'on va faire là, genre on va finir et tout ça, l'histoire et tout. Vu qu'on a deux antennes, je pense que la première antenne qu'on va faire, ce serait donc celle après l'autoroute côtière, évidemment, parce qu'on est déjà allé là-bas. Donc, bah... Pied de biche ici. Vérifie s'il n'y a pas autre chose. Un pied de biche ici, sympa, j'ai jamais vu sur le tronc. Okay. Donc ouais, pourquoi? Parce que c'est une zone qu'on a déjà vue, donc autant y aller et en finir. C'est par où qu'on va passer déjà, comme ça. Donc autant en finir, et puis après, et bah ouais, BlackRock, hein. BlackRock, je pense. Ça serait notre prochaine destination. Ou alors... on fait une pause et on se balade. Il y a encore plein de zones. C'est pas trop. Ça, c'est un truc que je sais pas encore vraiment trop. Je veux bien faire ici, moi, là, la zone voie ferrée détruite. Là, je veux bien toute la faire. Ouh, on voit pas grand-chose. Ben, je vois les rails, c'est déjà ça. Les rails, ça vous dérange si on reste dans le noir? Parce que bon, moi j'arrive à voir les rails, j'essaierai de monter un peu la visibilité pour vous, mais franchement ouais, non, je vois les rails très bien en fait, donc autant après quand on sera dans les couloirs et tout, j'allumerai, hein. Mais là là ça va. Donc autant ne pas consommer de la lampe. J'ai envie de dire, même c'est étrange que ça soit aussi clair. Là on vient de passer le cadavre. On est de retour sur les rails. Je crois que... Ok, là on est dans les tunnels. Bon allez, on va allumer ou pas? Non, honnêtement, non. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'on voit bien. Normalement, je vous montre toujours, mais là... ça va, quoi. Bon, attends, là par contre je vois rien. Ah, c'est peut-être là que les gens me disent.
peut peut-être passer par là, je crois. On va voir. Je sais plus honnêtement, donc hein, vous énervez pas si si j'ai oublié. Ah mais on peut même remonter par là. Ah je crois qu'on pouvait que descendre en fait. Tu vas monter où? T'es con ou quoi? Bah oui t'es con. D'accord, c'est ce que les gens me disaient en fait je crois. Genre vous avez pas besoin de prendre la corde. Ouais mais va pas où je dois aller quoi. Ah je dois aller là-bas moi. Bon très bien. On va essayer de s'éloigner le plus possible du loup. D'accord donc moi franchement, je pensais pas qu'on pouvait remonter en fait. J'avais dans le souvenir qu'on pouvait descendre, mais pas remonter. Ah, parce que moi je me faisais chier en fait avec cette corde. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Je comprends. Bon bah c'est très bien. Par contre je crois que la porte était verrouillée, c'est ça? J'ai un doute. Je crois que la porte était verrouillée. Et qu'on doit prendre en premier la corde et après ouvrir la... la porte. Comme ça on peut passer. Ah mais en fait c'est pour ça qu'on voyait encore assez bien dans les tunnels. C'est parce qu'il fait encore jour. Okay. Même là, on voit assez bien. Bon, celui-là, non. Mais... Bon, attendez, parce que là, je suis perdu. C'est par là. Ouais, c'est par là. Ouais, c'est parce qu'il fait encore jour. Je pensais qu'il faisait nuit déjà, en fait. C'est pour ça. Parfait. On va faire le petit plein de bâtons parce que ça sûrement. Enfin, potentiellement devoir faire un feu. J'aimerais bien qu'elle puisse allumer ça, je le dis depuis des années. Hein. Genre allumer la lampe. Tout en marchant. C'est bien ça. Donc on est à 43, 14. Elle commence un peu à être fatiguée. Ça marche. Ah, je crois que j'ai beaucoup de... Je crois que non, on est là. Je crois que j'ai beaucoup de charbon sur moi. Je voulais les poser. Ah, 9, 0,90. Bah c'est beaucoup moins chiant, hein. Sans la corde. Nettement moins chiant.
Surtout que là, on peut prendre n'importe quoi. On peut être à 50 kg sans problème. Très bien. Vous vous rappelez, l'aérodrome, c'était notre premier bunker. C'est notre premier bunker. Vous vous rappelez ce qu'on avait récupéré? Non, pas bunker, pardon. Bunker, c'est pas bunker, c'est cache. Notre première cache. Vous vous rappelez ce qu'on a récupéré? Un bâton. Et ouais. C'est beau. Ah là là, on était contents. On était contents. Alors, on a une grotte sur notre droite, mais... J'ai envie de dire... Si je peux continuer et arriver au campement... Enfin, à des campements. Les endroits où qu'on utilise en tant que camp, là. Genre, par exemple... la petite maison sur les rails et tout ça, là. Le long des rails. Genre, c'est une petite gare. Genre, ça serait bien. Parce que je crois que c'est pas très loin. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment pas très loin. Et c'est un très bon endroit pour s'arrêter. Donc ce serait une bonne chose. Après, le seul problème qu'on aurait, ce serait récupérer de la nourriture, récupérer des calories. Je sais qu'il y a des fois des loups, mais il n'y en a pas énormément. On a encore un tunnel à prendre. Transporteur. Ah ouais, encore un tunnel à prendre. J'avais oublié, mais je crois que c'est le dernier celui-là. C'est marrant, il y a une sorte d'aura autour de nous qui éclaire. Ah ça y est, c'est parti. Ok, bon là ça fout les boules par contre. Ouais, enfin ça nous aide pas des masses. Ça va strictement rien devant. Je vais bouger la lampe. J'arrive pas à la faire bouger. Hein. Voilà. Techniquement, on n'avait pas besoin de lampe, hein, franchement. Alors, si jamais ça se passe bien pour la suite, peut-être qu'on arrive à l'aérodrome en une fois. Ce serait vraiment sympathique. Ok, bon là je vois rien et j'aime pas trop être dans le noir. C'est pas vraiment mon kiff les tunnels abandonnés comme ça. On voit rien avec cet effet là. Ah là 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 là, ça me rend fou. Bien, une chose que j'ai plus retrouvé depuis très longtemps, c'est les nouveaux oiseaux là. Et le problème c'est que j'ai 20 duvets, je crois bien, et seulement 20 duvets. Alors sur moi j'en ai 10. Et après à la maison, à la rivière Cam, j'en ai 10 autres. Mais ça serait bien d'en retrouver en fait.
Ça serait vraiment bien. Bon, on y est presque. On va pouvoir se reposer à l'endroit où je dis. Donc là, étrangement, il n'y a pas de loup. Ou alors très peu. Je sais plus exactement. Je crois que c'est très peu. Mais on est très très proche de l'aéroport. Aérodrome. C'est quoi la différence entre un aéroport et un aérodrome? D'accord. Merci. On avait récupéré tous les arbres. On avait fait tout le tour, je crois. On avait eu énormément de glands, si je me rappelle bien. Feels like night is coming. C'est vrai. J'aime bien la couleur, c'est sympa. Je vais regarder peut-être pour des massettes qu'on n'aurait pas pris. Ça nous fera des calories en plus à grignoter. Très silencieux. Ça fait longtemps qu'on s'est pas baladé comme ça, pendant très longtemps. Et genre, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas trop de vent, rien. C'est fun, honnêtement, ça change un peu. J'ai le temps de devoir gueuler là, dans la tempête. Voilà, très bien. Parfait. Enfin, je sais qu'il y a des fois des lapins là-bas. Alors, est-ce qu'on avait laissé de la nourriture à l'extérieur? Ce que c'est. Ok, c'est pas vraiment ce que je pensais. Fantôme. Je fais une vérification juste comme ça au cas où, hein. Juste comme ça. Cette petite vérification au cas où, hein, si jamais on loupe des trucs. Des fois, je loupe des choses. Bon. Du coup. On peut dormir. On peut dormir. Ça vaut le coup de se balader encore un peu.
Après, est-ce que ça vaut le coup de chasser du lapin, j'ai envie de dire. Pas vraiment. Ça vaut ça? Non. Est-ce qu'on a des massettes? Bien. Bon, on récupère quelques trucs en plus, hein, les massettes. Et puis, on va dormir. Hein. Bah, c'était un super bon chemin. Ah oui, par contre, je crois que dans l'aérodrome, on m'avait dit où était la... La photographie, je crois. Parce qu'à un moment, vous vous rappelez, j'étais parti parce que, bon, j'étais frustré et tout ça. Parce que la zone, quoi. Et on était proche, apparemment, de l'endroit pour dessiner avec le Polaroid. Et peut-être qu'on peut faire ça, aussi. Si on est dans la zone. Peut-être qu'on peut, on peut faire ça. En tout cas, j'essaierai. C'est pas vraiment le plus important. Hein. Mais vu qu'on y retourne, autant en profiter. Quoi. Bon, là, on a récupéré pas mal de massettes. Je suis sûr qu'on doit en avoir au moins une trentaine. C'est tellement silencieux qu'à chaque fois que j'entends un brin d'herbe bouger, je me dis qu'il y a un truc qui est derrière moi. Quoi. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ouais, on va rentrer. Il y a pas de lit, hein. Il nous faut le sac de couchage, je crois. Ça aussi, au final, quand j'y pense, il faudrait qu'on soit... Qu'on puisse, en fait, dormir n'importe où. Ou genre dormir sur un banc et tout ça. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dort pas? Honnêtement, ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? On tombe d'épuisement et on dort automatiquement, c'est ça? Je crois. Et si, bien sûr, ça arrive bah, dans une tempête, bah vous mourrez. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. Très bien. Et on a aussi le retour du sac de couchage. Bon, bah... pas de dormir, alors. Alors, on se réveille en pleine forme. 31. Je pensais un peu plus quand même, mais bon, ça va. On va en manger quelques-unes. On est à 38 kilos, c'est très bien. Ah oui, non, oui. Ok. C'est parti, on avance. Il va bientôt faire jour. Je sais qu'il va faire froid, mais... Autant se bouger un peu les miches. Je voudrais arriver au deuxième camp. Donc le deuxième camp, c'est la maison, en fait, sur le chemin de l'aérodrome. Donc ouais, c'est le deuxième endroit où on va pouvoir se reposer. C'est pour ça que je sprint un peu et tout ça.
Alors, on va dire que j'aurais potentiellement dû attendre qu'il fasse jour, mais bon. Ça va, quoi. Le chemin est pas si dangereux que ça. Et c'est assez clair. Ben je pense, enfin j'espère honnêtement. J'essaierai de monter un peu la visibilité. La plupart du temps je fais ça quand il fait nuit. Mais pour pas que ça soit trop blanc non plus, que ça lave les couleurs. Mais là je voudrais en profiter en fait, c'est pour ça que j'essaye de tracer. Je voudrais tout simplement arriver à l'aérodrome rapidement. C'est vraiment ça que je veux faire. Jesus, it's cold. Oh. Ok, aérodrome abandonné. On a d'abord une maison. Où on pourra s'arrêter, récupérer un peu d'endurance et tout ça. Oula, là on a... C'est quoi ça? Pourquoi c'est tout blanc comme ça? C'est tellement bizarre. J'ai jamais eu ça avant. Là, je vois... C'est trop bizarre. Je sais pas, ou peut-être que j'ai plus l'habitude, j'en sais rien. C'est très étrange. Bon, sur le chemin, il y a surtout des lapins. Sur le chemin, c'est surtout des lapins. Il va devoir se baisser. Ça, c'est la voiture. Ça fait un effet super bizarre, je suis désolé. Mais bon. Regardez, tout est blanc, en fait. Genre, tout est... Ouais, tout est très blanc. Même quand on est, genre, collé au mur. Genre, c'est blanc. C'est... Donc, ça fait pas vraiment effet de brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait effet bizarre. Ça fait comme si il y avait une sorte de couche de couleur qui se mettait sur le monde. Très 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 étrange. Bon, de toute façon, il va bientôt faire jour. Des torches par terre, on est sur le bon chemin. Là, j'avoue qu'on voit de moins en moins là. Je suis à deux doigts de prendre ma lampe. Hein. J'ai l'impression de marcher sur juste un tapis blanc. Quoi. C'est bon, on y arrive, on y arrive. Ça fait longtemps que j'ai pas marché comme ça dans... Genre sans rien voir. Un peu à l'aveuglette. Juste le chemin est pas très difficile. Hein. Pas vraiment d'obstacle en fait. C'est juste des zigzags. Ok, là on est à... On va être en bord, en bordure là. Faut faire attention à pas tomber. Alors... Hop, attention. Attention. Très bien. Bon, je vais être franc. C'est un peu plus loin que ce que je pensais. Ah,
Ah, je vais m'amuser à éclaircir tout ça pendant l'édit de l'épisode. Ok, on y arrive. Ça y est, le soleil se lève. Ah ben, on perd pas énormément de vie. Ça va. Donc faut faire gaffe que après il peut avoir des loups, hein, je crois bien. Ok, là faut pas tomber. Nickel. C'est bien de pas dépasser les 45 kilos parce qu'en fait on se fatigue pas énormément et on court super vite. Ah là non, on retombe encore dans le côté blanc bizarre là. Torche. Pourquoi on est souvent sur route, donc c'est vrai qu'on court vite, on marche vite. Ah, je crois que c'est là. Le vent qui se lève. Ah non. Le vent qui me contre. C'est le pire de tous. Faire attention parce qu'il peut avoir des loups là. C'est pas mal le truc par terre ou pas? Non, rien. Voyons sécher, foire de lapin. Ouais, non, là je vois pas grand chose. Y a un lit ou pas? Ouais, y a des lits, ça marche. Ouh, eh ben. Ça va, ça va. On a perdu ça, mais honnêtement, ça va. On va récupérer beaucoup, ça va, ça va. On a perdu beaucoup de calories par contre. On a tracé. Mais bon, on a encore des massettes, on a encore ça. Donc honnêtement, les calories, ça va. On peut voir venir. Hein. On peut vraiment voir venir, il n'y a pas vraiment de problème. Bah, du coup, ça va être la fin de notre épisode. Bah, honnêtement, c'était un voyage, mais alors des plus tranquilles. De chez tranquille. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des comme ça. C'était nickel, il n'y avait pas un problème. Donc du coup, bah c'est cool. C'est cool. Et maintenant, bah, la prochaine fois, on arrivera directement à l'aérodrome. On est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Et du coup, on en profitera. On verra si on arrive à trouver le bunker ou ce qui se passe. Bah, c'est cool. Et en plus, surtout, c'est qu'on va être un tout petit peu décalé. Genre, là, il fait jour, on va devoir dormir. On va être un peu décalé. Et du coup, bah, aurore boréale, la nuit.
Donc ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc là, on a boyau séché et peau de lapin. J'ai besoin de faire ça ou pas? 89%, 90%. Non, c'est pas vraiment, non, c'est pas vraiment utile. Ah oui, ça c'est un établi du coup. Okay, cool. Ouais, on va dormir le plus possible et on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.